Méditation du 29 décembre. Rien ne remplace l'étude de la Bible. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Proverbe 4, versets 20 à 22. Depuis plusieurs années, on prédit la fin du livre et de la lecture, ainsi que l'affermissement des nouveaux maîtres de l'hégémonie sociale, l'image et le son. L'arrivée d'Internet a bouleversé la manière dont l'information circule à travers la planète. Internet a également créé de nouvelles méthodes d'étude de la Bible, telles que les fameuses vidéos et les pages web religieuses inondant le cyberespace. Le problème est que beaucoup de gens substituent cela à la lecture de la Bible, invoquant un manque de temps et le confort de recevoir toute leur nourriture spirituelle mâchée et dans leur bouche. L'esprit humain doit être mis au défi par des approches bibliques et conduit à des réponses opportunes sous la direction du Saint-Esprit. Mais à l'ère du spectaculaire, de nombreux jeunes substituent une étude sérieuse, profonde et attentive des Saintes Écritures à un CD de musique chrétienne. L'émotion semble remplacer la réflexion et la réaction l'action. Et ceci est délicat car ce n'est pas ainsi qu'on forme les vrais adorateurs. Rien ne peut remplacer la Bible. La musique est un élément fondamental du culte car elle prépare l'esprit à recevoir le pain du ciel. Mais elle ne doit pas remplacer l'étude des Écritures. D'autre part, l'étude de la Bible est indispensable pour nous préparer à l'effusion du Saint-Esprit. La Bible offre tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés tout en fortifiant et disciplinant notre esprit. La Bible fournit aux véritables chercheurs un exercice mental avancé. La contemplation du divin enrichit son esprit. Le moi s'humilie, tandis que Dieu et sa vérité sont exaltés. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Chapitre La Bible et l'éducation, page 361, livre écrit par Ellen G. White. Il est temps aujourd'hui d'étudier les Écritures, de pratiquer la prière, d'annoncer aux autres que Jésus vient et d'accompagner nos services de culte d'une musique qui nous édifie et nous prépare à prendre des décisions pertinentes pour le royaume des cieux. Demande au Seigneur aujourd'hui de t'aider à organiser ton temps de la meilleure façon possible pour le rencontrer tous les jours grâce à l'étude de la Bible. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.